J'ai demandé sur Instagram aux abonnés de créer un ou deux niveaux de Death Run pour moi et on va tout de suite aller les essayer, on va tous les essayer, enfin on va essayer parce que vous êtes beaucoup, vous avez été nombreux, du coup les gars on va en faire je sais pas moi peut-être 5-6, on verra bien selon le temps que ça prend, mais en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est pas encore fait, let's go les 10K, on y est vraiment très très presque. Et n'oubliez pas le petit code Wakey dans la boutique de bougies, ça me ferait énormément plaisir. Bon du coup les gars, première map, on est sur la map de Zerga TV. Voilà, il m'a concocté cette petite map, plutôt aussi dans le style rétro. En vrai, plutôt mal, on a première épreuve, deuxième épreuve juste ici. T'as mis combien de temps à la faire cette map? J'ai dû mettre 4 heures. 4 heures, ah oui, non, ok, ok, ok. Et là, on peut voir ici le petit code Wakey. Allez, facile, on commence par la première épreuve. Je ne sais pas du tout si c'est compliqué, facile, mais peu importe. En vrai, c'est juste pour voir un petit peu les death runs des abonnés. Ah, ok, il y a un petit ressort, c'est bien fait ça quand même. Tac, on continue. Pas de ressort ici. Pas non plus ici. On dirait un petit peu Mario là. Hein, avec les petits tuyaux. Ok, tac, là on monte là. En vrai, ça va. Pour l'instant, c'est chill. Ah, c'était premier niveau ça. Ok. Deuxième épreuve. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'il est plus compliqué? Ah, ouf. Déjà, l'ambiance est stylée. Oui. L'ambiance est stylée. C'est pas forcément compliqué, mais c'est stylé. Du coup les gars... Faut pas toucher le rouge. Ah oui ok. Sinon ça a trop TP au début. Ok ok, faut pas toucher le rouge. Tac. Tac. Me dis pas que c'est soit terminé là. Et c'est terminé. Me dis pas ça. Non en vrai... Et les gars on va faire un système aussi de vote, on va voter tous les death runs des abonnés. Franchement, ouh, le petit GG est magnifique. Le petit GG est magnifique. Moi, ouais, franchement, Zerga, pour ton death run, je mettrais un bon 8,5 sur 10. La déco, elle est magnifique. Juste, il manque un truc, c'est la difficulté. C'est vraiment un death run hyper facile. Après, j'avais précisé que c'était soit facile, soit compliqué. Du coup, ouais, 8,5 parce que franchement, il est hyper propre en termes de décoration. Et difficulté, ça aurait pu être un poil plus compliqué. Voilà, voilà. Merci à toi, Zerga. Nous sommes désormais sur la map de Julien Soligo. Bon, il n'a pas de micro, mais c'est pas grave, on va aller tenter ça. C'est... Ah, bon, bah c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Allez, c'est parti, on va commencer. C'est parti, mon kiki, let's go. Bon, là, c'est des sauts de 1. Ah, bah, faut sauter de précision. Du coup, voilà, ça c'est réussi, tac. Là, c'est encore un saut de 1, il me semble, c'est passé, ok. Tranquille. Encore un. Le décor, les gars, on n'en parle pas assez, il est magnifique. J'aime beaucoup la décoration. C'est un aspect un petit peu, je sais pas, genre, c'est à l'ancienne, à l'ancienne. Là, les gars, on a quelques virgules. Voilà, on va se les faire tranquillement. Tac, un niveau de passé, je voulais dire. Tac, du coup, là, c'est quelques petits sauts, comme ça, je ne sais pas. Ah oui, si, si, on peut. On peut clairement. Tac, on enchaîne. Là, on a une petite salle avec des répulsifs. Franchement, il a pris du temps. Et ça j'aime bien, et ça j'aime bien, la map est magnifique, j'aime beaucoup ce petit lac. Ah, donc là il faut aller là-bas. Donc là je pense que vous aurez le son du jeu, il y avait un petit bug. Tac, du coup là on part sur un deuxième petit saut. Ah ok, celui-là il est un peu plus compliqué, faut prendre un petit peu plus loin je pense. Mais on va quand même réussir les gars, ça va, c'est assez simple pour l'instant. Ouh, ok, là je m'avance au maximum et on réussit. Ah non, je ne me suis pas avancé au maximum, mais ça passe quand même. Allez, c'est fini? Non. Ok, alors, les gars, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, c'est plein de petits death runs comme ça, des abonnés. Comme ça, on voit un petit peu comment les abonnés se débrouillent en death run. Celui-là, il était un peu plus compliqué que le premier, donc franchement, j'ai kiffé. La décoration était juste incroyable, j'ai aimé la diversification, je ne sais plus si ça se dit. C'est honteux. Vous avez capté, j'ai aimé comment les épreuves changeaient d'une à l'autre, genre des sauts, des petites virgules, des répulsifs, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, celui-là, c'est un petit 9,5. Franchement, 9,5, il y a encore quelques petits trucs à changer, du style les petits paramètres, mais ça, c'est rien de méchant. Voilà, sinon, ta map est vraiment bien, Julien. Merci à toi de l'avoir créé. Alors les gars, je l'avais pas vu, mais regardez ce qu'il a rajouté, j'avais pas vu. Soutenir un créateur, Wakey, c'est le boss. C'est le boss. D'ailleurs les gars, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à le rentrer dans la boutique. Tu deviendras automatiquement un énorme BG si tu le rentres dans la boutique. W-A-I-K-I. Bonjour, je suis Olivier de Carglass.
Ok, du coup les BG, on est sur la map de Antoine. Qu'est-ce qu'il nous a concocté? Je ne sais pas, on va voir ça. Apparemment, c'est assez compliqué. Enfin, je sais pas, on va voir ça. Là, bah, c'est un level facile et là, c'est un level dur. Ah, ok, il y a deux, il y a deux. Ok. Pour le premier level, ouais. Ah, ok, il y en a deux à chaque fois. Ok, bon. Premier, c'était facile. Non, pas important, ok. Vas-y. Donc, la petite saut de virgule. La petite virgule hein, sur le truc. Tac, tac. Ok, ça c'est bon. Là, c'est du speedrun, je pense. On va pas assez vite marcher. Ah oui, ok. Ok, on est bon. Oh non, il y a un piège! Ok, bah là. Ok. Ok, c'est bon. Ouf. Ouais, c'est bon, je passais. Donc là, il y a encore un mec des pièges. Là, c'est le level 4. Ah ouais, les gars, c'est un labyrinthe. Ok, ça, c'est assez tendax. C'est assez tendax. Ok, c'est bon. Le problème, c'est que toi, tu connais la route, pas moi. Ah, j'ai trouvé. Ça va, j'ai trouvé. Oh non! Non les gars, on est plutôt sur une bonne map, il y a beaucoup de pièges. Ok, c'est bon, level 5, apparemment. Ah, là, il n'y a pas de boost. Donc là, c'est du bait pur et dur. Ah, si, il y a encore le boost. Ah non, ok, je l'ai plus. Ok, on va refaire. Là, c'est ce level, je crois. Ça va être compliqué. C'est le dernier level, ça? Ouais. Ok. Ok, aussi. Ah ouais, il y a au-dessus. Oh mon dieu, celui-là, ouais, j'avoue que le virage va être compliqué. Allez, c'est parti. Je sais comment on fait. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de truc caché. Si. Ah, il y a un truc caché. Tous les pièges partout, en haut, en bas, enfin non. En haut, c'est compliqué quand même. Ouais, en haut, non. On va déjà aller jusqu'au bout pour voir. Peut-être celui-là. Ah! Oh! Quoi? Ok, déjà on a trouvé lequel, mais il y a encore un piège derrière en fait, faut bait. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là, ok, tac, tout est bait, ça passe, là aussi, sauf le sol. Ok, c'est bon. Pouh, et là c'est la fin ça? Ok, bah franchement, GG pour ton Death Run, il était vraiment cool. Il était un peu plus complexe que les précédents que j'ai pu tester avec d'autres abonnés, mais franchement, il est plutôt stylé avec des pièges. On n'avait pas encore fait ça dans cette vidéo. Merci BG, c'était un plaisir. Ok, on a des armes aussi, c'est un Death Run avec des armes. Non, mais c'était à la fin le truc de fight. Ah, ok. Donc là, c'est avec du skate. Ah ouais, ok. Mais ça, c'est une course? Non, c'est pas là. Ok, en fait, là, c'est l'avant-goût, là, c'est le... Ok, là, c'est le Death Run. Ok. J'ai eu peur, je pensais que c'était ça, moi. J'ai eu peur. Ok. Donc là, petit saut tranquille. Ok, on est bon pour la première épreuve. Il y en a combien d'épreuves? Deux, non, trois. Ok. Donc là, faut se baisser, tac, sauter. Ouais, ça, pour l'instant, il est plutôt... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Cours! Ok, non. Ok, let's go. Petit passage entre les bâtons. Nickel. Oula, toutes les portes. Oula. Alors. Ouais, faut trouver la porte. Attends, s'il faut, j'ai compris le bail. Si t'as fait ça, t'es vraiment intelligente. Attends. Ok, attends. S'il faut, t'as fait ça. Attends. Oh, je suis trop chaud. Attends, c'est vraiment la seule porte? Ah non, il y en a partout. Ok, il y en a partout. Je me disais, ouais, il y en a en haut, c'est quand même bizarre. Après, c'est
Là c'est le fight du coup. Ok, donc on a fini le death run. Vas-y, dernier petit fight pour finir la vidéo. Ok, bah merci beaucoup pour ton death run. Merci beaucoup, je lui mets un petit 7 sur 10. Comparé au death run que j'ai vu avant d'autres abonnés, voilà, je mets un 7 sur 10, c'est déjà bien. C'est déjà un 7 sur 10. Merci CC. Les BG, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Let's go, let's go. Dites-moi si vous voulez un épisode numéro 2. Franchement, merci à tous les abonnés qui ont participé, c'était plutôt cool. Voilà les gars, c'était Wakey, code Wakey dans la boutique. Salut.